Ce mardi 28 mars a eu lieu le Forum des métiers du département Génie mécanique et productique au sein de l'IUT de Lille. Cette occasion a permis aux étudiants de rencontrer les partenaires industriels de la région Hauts-de-France. Catherine Durias, responsable relations entreprises au département GMP, nous explique l'objectif de cette journée. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui au département Génie mécanique et productique de Lille des entreprises de la région, des entreprises partenaires qui viennent proposer à nos étudiants des conférences métiers, qui viennent proposer éventuellement des stages ou une alternance dans le cadre de leur formation. L'objectif premier, c'est que nos étudiants découvrent la richesse que proposent les entreprises, des PME principalement, des grosses entreprises aussi, et voir quelles sont les interactions, quels sont les métiers, des méthodes, de la conception, de la maintenance que chacune d'entre elles peuvent proposer dans le cadre de leur activité. Marie-Christine Moretti, PDG de Sésame Expertise, nous explique l'intérêt pour Nucléophile d'être présent sur le forum. L'intérêt d'être présent pour Nucléophile en fait au sein de cette journée, c'est de pouvoir présenter en fait le projet aux étudiants, qu'ils soient en première, deuxième ou troisième année de bachelor, et également en fait de présenter les différents acteurs en fait de Nucléophile. Lors de cette journée, en fait, j'ai présenté au niveau des étudiants la partie métrologie, donc la partie expertise, notamment pour les domaines du nucléaire, et donc la partie métrologie industrielle, avec la partie métrologie industrielle 4.0. Cet aspect-là a été découvert en fait par les étudiants et nous avons un second projet qui a été également financé dans le cadre de France 2030 qui s'appelle Cyberindus et qui va rejoindre en fait cet aspect nucléophile sur la partie en fait de la cybersécurité industrielle. Les nombreux échanges réalisés au cours de cette journée ont aussi laissé entrevoir des opportunités de stage et d'alternance pour les étudiants.